C'était la dernière volonté de Justine Bouchard, voir toute sa grande famille avant de partir. Faveur qui lui a été accordée, mais à l'extérieur, dans le stationnement de la maison de soins palliatifs. Dans quelques secondes, puis là, puis demander au monde là, de faire des efforts de même, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, je les aime, mes petits-enfants. Il est obligé, en 2021, voir ses petits-enfants. Non! C'était le seul moyen pour voir tous ses proches, parce que seuls quelques-uns sont autorisés à lui rendre visite à l'intérieur. L'affaire, c'est que ma mère, sont une grande famille. Ils sont 13 enfants. Puis là, il y en a qui n'ont même pas été mis sur la liste. Les petits-enfants sont pas sur la liste. Très affaiblie, Justine Bouchard a quand même pris son courage à deux mains pour s'adresser directement à François Legault. Monsieur Legault, là, c'est inacceptable, Monsieur Legault, inacceptable. C'est pas logique d'être obligé de choisir dans la famille qui peut venir la voir puis qui peut pas venir la voir. Ça marche pas, ça. C'est pas des choix à faire, ça. Madame Bouchard espère que même si la pandémie perdure, des familles n'aient plus à vivre ces moments déchirants. Il faut qu'ils permettent au moins aux petits-enfants puis aux frères et sœurs de la personne de pouvoir au moins, eux autres, d'aller, de pouvoir y aller la voir. Là. Sinon...